une expression, ça? À être, vouloir aller. Qu'une idée. Bonjour, ici Samy-Nicolas Lévesque, votre nouveau coordonnateur des médias sociaux et des communications. Étant moi-même nouvellement arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait des expressions qui étaient assez uniques, hein? Des expressions qu'on n'utilisait nulle part ailleurs. Et je voulais voir aujourd'hui si les joueurs des Saguenayens connaissaient ces expressions-là et connaissaient leur signification. Alors, je vous invite à me suivre, on va aller voir là, là. C'est quoi, ici au Saguenay, un cutter? Oh, ça, je le sais. Ah oui, c'est à côté du chemin, là. Ben, la machine à côté du chemin, là. Ah oui, un trottoir, on te le donne. Ah, une cutter? Non, pas un cutter. Aucune idée. Une chaîne de rue. Un cutter, c'est une bordure de route. Ah ouais, ah ben, c'est bon. Tout le temps? En fin d'une phrase. Alors, ça va à la game, là. Là, j'ai aucune idée, là. Ils disent tout le temps. Ça veut dire que t'es tannant, ça? Comment tu veux expliquer ça? Ah, je sais quoi ça veut dire, je le dis. Fais signe de main, ça veut dire... Tu niaises à cause... An apple, my logo, strawberry. Blueberry, okay. I don't even know what that is. Blueberry. That's... Blueberry, okay. The blue, eh? Si. Être à l'heure, je sais pas. À être confus, je sais pas. Avoir le sourire. Ferme l'aqueduc du Cygne. T'as l'expression, ça? Ouais, c'est fond. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, c'est fond? Être bien financièrement, je sais pas. C'est quoi le nom du parc qui sépare Québec et Chicoutimi? Parc des Laurentides. C'est quoi le numéro de la route? 170. Ah, t'es proche, 175. Quoi? Vouloir aller à quelque part? Ben, écoute, je le savais, mais je le savais pas.